Bonjour tout le monde, ici Orphéa 2012 sur Country Life. Ça faisait longtemps hein, qu'on n'était pas venu voir un petit peu ma ferme. Alors que moi, je viens tous les jours. Ouais, tous les jours, je fais des cafés. Je fais des pots de crème. Ça, c'est tout récent. Je fais du jus de blueberry. Je fais toujours du lait. Bon, je commence à avoir de moins en moins de trèfle parce que je n'en plante plus. Lui, qu'est-ce qu'il veut manger? La pomme. Il va manger de la pomme. Je fais des paquets de poivrons. Pardon, j'ai mis ma main devant ma bouche pour que vous n'entendiez pas. Je fais des paquets de poivrons. Voilà, c'est tout ce que je fais. Parce que l'objectif est de d'avancer ça. Parce qu'en OP, j'en ai plus que 194. Et encore, j'en ai 194 parce que j'ai un ami qui m'a envoyé des choses que j'ai pu échanger. Alors voilà. Donc je replante des blueberries cet après-midi. Oui, parce que je tourne, on est jeudi et il est 14h et des brouettes. Ouais. Les brouettes, c'est je sais pas en fait parce que j'ai pas l'heure. Non, j'ai pas de montre, non, je sais pas. Moi, je suis pas très très équipée montre et puis ma souris elle est en train de rendre l'âme, je crois. Mais bon, je vais pas encore changer de souris. Puisque généralement, on change souris et clavier. Non, on peut changer que souris, mais... Bref. Voilà. Donc, niveau pognon. J'ai du mal à avoir les 3 500 000 pour acheter l'extension qui va suivre, là. Et ça fait un bout de temps que j'attends de pouvoir m'acheter l'extension. Et la souris, elle déconne à fond les ballons. Je suis en train de faire un montage vidéo, donc c'est peut-être ça qui ralentit mon ordi. Je sais pas. Bon, de toute façon, j'ai pas grand chose à vous montrer à part ça, donc ma foi, on va continuer à tourner malgré tout. Mais j'espère que ça va pas trop ralentir mon ordi pour bosser. Ou alors c'est ma souris qui déconne. Je sais pas. Je crois que ma souris a du mal avec mon tapis de souris. C'est un tapis de souris en noir et blanc. Et il y a des moments, c'est peut-être la. C'est la petite lampe rouge là. Voilà. Qui a du mal à reconnaître. Je sais pas. Je sais pas. Bon, bref, disait Pépin. Ça faisait longtemps, ça vous m'avez manqué ça aussi. Donc, sur Country Life, je n'ai pas terminé le jeu. Salut Marc, qui se connecte. Voilà. Tac. Je n'ai pas terminé le jeu, mais j'ai des nouveaux voisins. Et regardez, Zax est quand même à 116, le niveau 116. Moi, je suis au 91 et vous me suivez depuis le début. Et là, j'ai 106 pour James. Et Rose, elle est au niveau 92. À la base, c'était elle la plus élevée dans les niveaux et j'avais décidé de la battre. J'y arrive, petit à petit. Mais purée, 116, waouh! Même mon profil perso n'est pas à 116. Donc, ça reste du boulot. Pour l'instant, niveau achèvement, j'ai tout fait. Ou presque, j'ai les voisins qui me manquent. Mais c'est quand même pas un jeu très à la mode. Il n'y a quand même pas 50 millions de personnes qui jouent à Country Life. J'ai même été étonnée d'avoir gagné des abonnés. On s'en fout. Des voisins. Là, un jour, je me suis rendu compte que j'avais gagné deux voisins. Et ben, ça m'a fait plaisir sur le coup parce que je me suis dit, tiens, il y a encore du monde qui joue à Country Life malgré tout. Ouais, ça reste un jeu qui est quand même un peu, assez intéressant, je trouve, hein. Faut quand même gérer, c'est quand même un jeu de gestion, donc. Pour commencer à faire des jeux où il faut gérer plein de trucs, tu peux commencer par Country Life. Hein. C'est pas une mauvaise idée. Ou même pour un enfant, lui apprendre un petit peu
à gérer par exemple son argent ou l'argent en général, je veux dire. Ça peut être quand même un jeu très intéressant. Bon, moi j'ai du mal à avoir du pognon parce que en fait, que tu te débrouilles comme tu veux, t'as beau planter n'importe quoi, t'as beaucoup de mal à gagner de l'argent. Là par exemple, je plante des blueberries parce que comme ça je peux faire du jus et puis ça va me rapporter un peu d'argent, le jus de blueberry. Et surtout, ça va me faire avancer en XP. Parce que quand je vais les récolter, obligatoirement, je vais récupérer de l'XP. Toc. Bref. Bref, c'est un jeu que j'aime quand même beaucoup et je t'avouerai que j'ai une grosse envie de le terminer, même si je sais que ça va être assez difficile. Attends, on va aller. Je finis ça parce que regardez, quand on plante les blueberries, on s'en rend pas compte. Le terrain reste clair. Enfin, on voit pas les graines, quoi, c'est ça que je veux dire. Quand tu vas planter du poivron rouge, ça va te faire des graines rouges qui vont être posées. Si tu plantes des pommes de terre, tu as des petites patates qui sont au sol. Là, t'as rien. Donc, en gros, quand t'as commencé, bah, t'es fini. Ouais, je sais, c'est un petit peu chiant. Alors, on va d'abord faire ça. Et après, je vous montre ce qui me reste à accomplir en mastery. Toc. Mais en fait, pendant les vacances scolaires, je vous ai pas trop embêté avec Country Life, alors que j'y joue tous les jours. Je plante et je déplante et je replante. Voilà. Donc des blueberries, j'en ai 1071. Pas mal. C'est ça qu'on peut vendre. Je fais aussi du café. Voilà. Alors après, on va là. Non, on va pas là. Non, non, non. On a trompé. Donc les achèvements, il me reste plus que ça. Et là, tu vois, il me manque deux voisins. Ça me rendrait service parce que ça me ferait 300 OP. Hein. Parce que en niveau OP, tu paries. Là, ça, le trèfle, c'est fini. Ça, il manque que la dernière étoile à avoir. Tu vois que là, il en faut quand même 48 000. Oh. Là, c'est ça que je vais replanter certainement ce soir après avoir géré ça. Récolter, pardon. Tout ça. J'ai aussi les haricots à faire, le café. Alors, le haricot, c'est en 8 heures. Donc, en gros, si j'en plante le matin, je les récolte en fin d'après-midi. Donc, ça va. Le café, c'est pareil. Mais là, il faut 11 heures pour le café. Les blackberries, c'est ce que je fais surtout beaucoup parce que ça pousse vite en 6 heures, je crois bien. Raspberry, 5 heures, mais j'ai déjà fini. Mais bon, il m'en faut 52 000 maintenant. Peut-être je vais pousser le bouchon à essayer de faire encore quelques étoiles en plus. Je ne sais pas, on verra. Je sais pas. Ça aussi qu'il faudrait que je gère, mais le problème c'est que les citrouilles, ça met très longtemps. Allô? Non, il n'y a personne. Attends. Ah ben Marc a dû gérer. C'est des pubs, encore et toujours. C'est gonflant. Puis tu peux pas couper ton téléphone en permanence. Et puis moi j'ai pas pensé en plus. Ouais, comme ça. Voilà. Bon, ben les blueberries, de toute façon, il m'en faut encore combien? 35 000. Si je continue d'en planter pour monter le niveau d'XP, why not, hein? Voilà. Bon, et ben sinon, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Dans le prochain épisode, on ira visiter la ferme de Jax. Ouais. Et de James aussi. Rose, on y est déjà allé. On va voir, on va voir. Je vais gérer ça. Bon, ben, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la suite. À plus tout le monde!